février, c'est déjà pour nous l'heure de quitter l'Arabie Saoudite. On va aller en Jordanie. Ça fait à peu près un mois qu'on est dans le pays. Donc on s'est concentré sur la région nord-ouest, la région de Tabouk, près de la Jordanie. Parce que c'est un très grand pays. On ne voulait pas faire tout le tour, même si le diesel n'est pas très cher. On n'en crame pas inutilement. C'est assez fou parce qu'on est quand même dans les premiers à visiter ce pays. Ce pays qui était tout fermé au tourisme, à part le tourisme religieux pour les pèlerinages, mais autrement, ça fait depuis 2019 en fait qu'il y a des visas touristiques et c'était juste même pas 6 mois avant le Covid. Donc en fait, on est les premiers à revenir. Et du coup, c'est assez incroyable. Les gens sont super accueillants. Enfin, quand ils nous voient, tout le monde est super content, etc. Enfin, beaucoup de curiosité en fait. Et ils ont le smartphone très facile. Ils ont tous les smartphones dernier cri et le sortent direct à chaque fois pour nous prendre en selfie, en photo et tout ça. Alors, au niveau du climat, finalement, on s'en est plutôt bien sorti parce que on est arrivé du coup depuis l'Égypte. Directement dans une région où c'est assez montagneux et du coup on a profité un peu des éléments naturels, c'est-à-dire des montagnes pour avoir de l'ombre, pour être un peu en altitude et pas avoir trop chaud. Et puis on a pas mal longé la côte de la mer Rouge qui est extrêmement venteuse et du coup avec le vent on arrivait à se garer et rester des journées en plein soleil. Du coup on a eu en moyenne 40-45 degrés mais on a eu moins chaud que les 50 degrés, 55 qu'on a eu au Soudan. Donc au final, on s'en est plutôt bien sorti avec le climat, avec la chaleur. Alors il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est quand même un pays du camping, à la base un pays de nomades. Et du coup, ils adorent faire du camping, aller pêcher au bord de la plage. Et du coup, c'est génial parce que il y a énormément de pistes dans le désert. Tu peux aller vraiment partout où tu veux. Et surtout, tu peux faire du camping sauvage partout. Personne vient t'embêter. Enfin, surtout, c'est autorisé et puis c'est répandu. Il y a plein de magasins de camping. Il y a plein de gens qui se posent dans le désert, au pied des montagnes, avec leur 4x4. Et du coup, ça, c'est vraiment trop bien de pouvoir vraiment se poser où tu veux et de dormir tranquille. Vraiment, on a senti une sérénité dans le bivouac sauvage que partout ailleurs, partout en Afrique, c'était un peu plus compliqué parce que tu sais jamais vraiment si t'as le droit ou pas. Il y a toujours la police qui peut venir te dénicher, les gens qui savent pas trop ce que tu fais. Donc là, vraiment, c'est cette liberté du bivouac sauvage qui était vraiment trop, trop cool en Arabie Saoudite. Et puis voilà, c'est la facilité un peu pour tout parce que l'état des routes est vraiment nickel. Enfin, il y a des autoroutes partout, donc tu peux vraiment faire des grandes distances assez facilement, même si avec Léon on roulait doucement à cause de la température et quand c'est en montée on est à 50 dans les montées parce que c'est assez vallonné dans la région où on a été. Au niveau des paysages, par contre, c'est vraiment mais incroyable, magnifique. Les oasis dans le désert, toutes ces montagnes à perte de vue. Et puis surtout le désert au bord de la mer Rouge, là, cette péninsule qui est proche de l'Égypte. Il y a vraiment des coraux et des poissons de fou. Enfin, c'était vraiment magnifique. Par contre, il y a un peu cette présence sur la côte assez forte des militaires, due, je pense, à la proximité avec l'Égypte, qui est seulement à 15 km. Donc plusieurs fois par jour, ils venaient nous voir pour contrôler nos identités, nos passeports, savoir d'où on vient et tout. Par contre, ils étaient vraiment super sympas, vraiment adorables, malgré la barrière de la langue où aucun militaire ne parlait anglais. Donc bon, c'était un peu compliqué, on se débrouillait avec le traducteur.
L'Arabie Saoudite, c'est quand même connu pour être le pays où le pétrole coule à flot. Et effectivement, ils ont des ressources de pétrole vraiment énormes. Moi, ça m'a impressionné. En fait, je pensais que tous les pays étaient en déclin pétrolier. Et je vous mets un petit graphique des 7 plus gros producteurs de pétrole dans le monde. Avec les estimations jusqu'en 2050, et on voit que tous les pays vont être en déclin de production pétrolière, sauf l'Arabie Saoudite qui jusqu'en 2050 va quasiment maintenir sa production. Donc vraiment ici, il n'y a aucun problème avec le pétrole. Et le litre de gasoil est à 17 centimes, donc c'est vrai que ça coûte vraiment pas très cher de se déplacer. En plus, l'état des routes sont hyper bonnes. Ils ont vraiment tous des gros 4x4. Ils adorent les 4x4 Toyota, les FJ, les trucs tout nouveaux. Ils aiment bien faire crisser les pneus. On entend souvent dans les villes. Ils aiment bien faire crisser les pneus, faire des dérapages, amener le moteur au rupteur. Là, on vient de voir ce matin des courses. On est en plein désert là. On vient de voir des courses de dromadaires. Et donc, ils sont avec leur 4x4 en train de klaxonner et de faire du rupteur pour encourager leurs dromadaires. L'Arabie Saoudite, enfin, du coup, c'est un pays qui est très mal connu de, par nous, par les Occidentaux. Et par exemple, la question qui me revient souvent, c'est comment ça fait de voyager en tant que femme en Arabie Saoudite. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation. Enfin, j'ai pas eu d'obligation de porter, de me couvrir les cheveux ou quoi que ce soit. Je pourrais m'habiller normalement, de façon polie, évidemment. Enfin, je vais pas me mettre en mini-short débardeur dans le centre-ville. Sachant que nous, en un mois, on est allé dans des villes et tout ça. Et pour être honnête, on n'a pas vu de visage de femme. En fait, elles portent toutes l'abaya, donc c'est un manteau, un survêtement noir qu'elles mettent par-dessus leurs vêtements et qui couvre également le visage, pas les yeux. Donc, les yeux sont découverts. Enfin, on porte aucun jugement là-dessus, hein, c'est juste descriptif. C'est juste factuel. Ce qui fait que il n'y a pas d'obligation, par contre, hein, elles n'ont pas l'obligation de porter ça. D'ailleurs, on a vu pas mal de femmes conduire, ce qui est assez récent. Elles ont le droit de passer le permis depuis quelques années. Donc ça, on en a vu pas mal, mais c'est vrai que la tenue est quand même encore très respectée, même si c'est pas obligatoire. Et les hommes, eux, portent la djellaba blanche, enfin, ou pas forcément blanche d'ailleurs, avec le chèche rouge et blanc et un anneau noir autour de la tête. Donc ça, c'est vraiment la tenue saoudienne, qui est d'ailleurs portée que par les Saoudiens, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés dans le pays, 30% de la population, des hommes principalement, qui viennent pour travailler. Et il y a que les Saoudiens qui portent cette tenue-là, qui est toujours impeccable. On voit des pressings, enfin les magasins qu'il y a le plus dans les villes, c'est les pressings. Des pressings avec des grosses machines, et du coup ils ont des djellabas qui sont toujours nickel, c'est impressionnant. Bref, en tant que femme, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, parce que j'ai pas eu de remarques, j'ai pas eu de regards bizarres et tout ça, que de la curiosité, mais plutôt de la curiosité accueillante. Enfin, genre les gens étaient trop contents qu'on soit là, quand on a dit qu'on vient de France et tout, ils sont là, oh super et tout. Donc j'avais juste ce t-shirt là, donc vu qu'il est super ample et large, donc c'est le t-shirt que j'ai le plus long, on va dire. Ou autrement, je mettais une chemise manche longue par dessus. Et puis j'ai un chèche que j'ai depuis le début du voyage, enfin qui me sert de foulard en fait. D'habitude, et donc je le mets, voilà, pour me couvrir juste les cheveux, comme ça, en ville et tout ça, et voilà, en ville, je me couvre les cheveux comme ça, et ça passait très très bien. Je me voyais pas être les cheveux découverts, et surtout en tenue plus... et pantalons, évidemment, tout le temps. Parce que nous, je peux pas porter des robes longues dans le van, en fait. Je me prends les pieds dedans, ou dans le bush, dans le désert, c'est déchiré en un peu de temps, donc c'est compliqué, la robe longue. Donc voilà, donc c'est très bien passé comme ça. Pour me baigner, je me suis pas mise en bikini évidemment, mais je me suis mise en lycra, short quand il n'y avait personne, ou legging, en fait legging de sport quand il y avait du monde en snorkeling. Du coup, j'étais complètement couverte et personne n'a rien dit. Parce que après, de toute façon, même eux, en fait, les hommes, alors on n'a pas vu de femmes se baigner, pas trop, ou alors de très très loin, enfin cachées, je pense. Mais et après, par contre, les hommes, on en a vu qu'ils étaient en marseille, short. Enfin, bon, sur la plage, quand ils pêchent, c'est un peu plus détente. Et donc, pour conclure, en tant que femme, et en tout cas sur les libertés ou la condition de la femme, etc., en Arabie Saoudite, je peux pas vraiment dire grand-chose, parce que
Il y a une grosse barrière de la langue. On n'a pas vraiment rencontré de personnes qui parlaient anglais, à part des immigrés. C'est eux qui parlent anglais, en fait, mais les Saoudiens ne parlent pas anglais. Du coup, on n'a pas eu de conversation avec des Saoudiens approfondie. On n'a pas, voilà, on n'a pas pu aborder ces sujets-là. Nous, on a juste vu de l'extérieur, voilà, bah, le style vestimentaire que les femmes conduisaient. Enfin, mais on peut pas tirer de conclusion là-dessus. Donc, à part ce qu'on peut lire sur les médias, mais que vous pouvez lire aussi. Donc, voilà, on n'a pas d'avis, honnêtement, sur la question. En tout cas, moi, ça n'a pas été un problème de voyager en Arabie Saoudite. En tout cas, j'étais aussi avec Anatole. Donc, en tant que femme solo, je ne sais pas non plus comment ça aurait pu être. Mais voilà, tout s'est très bien passé. C'est nappe en plastique. Non, en vrai, c'est super confortable, là, les petits salons comme ça pour manger. Et là, on est sur la côte et ils n'ont pas vraiment de fruits et légumes ici. Alors du coup, on a fait une petite entrave à notre régime. On mange un poisson. Et ça a l'air très très bon. On a choisi le poisson. En fait, ils sont disposés à l'entrée du restaurant. Tu choisis ton poisson, puis tu le cuis et tu le ramènes. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager le récit en fait de voyageurs qu'on vient de rencontrer, des Allemands qui ont parcouru aussi l'Arabie Saoudite et qui ont eu une expérience différente en Arabie Saoudite, dans la ville de Jeddah particulièrement, où ils ont été abordés par des Saoudiennes au visage découvert, non voilées, même tatouées. Alors c'est plutôt étonnant et comme quoi selon l'expérience, les rencontres qu'on fait, notre opinion peut être complètement différente sur un pays. Donc nous, on essaie de vous partager, voilà, sans filtre, les rencontres et les expériences qu'on vit dans chaque pays. On essaie d'arriver dans un pays avec le regard le plus ouvert, le moins de jugement possible, pour justement pouvoir accueillir toutes ces rencontres. Et par exemple, on a rencontré des Saoudiens qui, oui, buvaient de l'alcool quand ils voyageaient dans des pays voisins, alors qu'ils n'ont pas le droit dans leur pays. Enfin voilà, tout est toujours beaucoup plus compliqué, nuancé que ce qu'on voit dans les médias ou ce qu'on pense. Et quels que soient les pays qu'on visite, on rencontre des gens à chaque fois formidables. Et en Arabie Saoudite, on a rencontré des gens formidables. On a été très bien accueillis, aucun jugement sur notre tenue vestimentaire ou quoi que ce soit.